Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Soleil. On continue tout cela. La dernière fois, on avait juste commencé l'histoire. Et du coup... Non, Matt, ça passe pas la tête. Et du coup, on continue un peu l'aventure. On venait de récupérer notre Pokémon. Si t'étais un Pokémon, je te ferais utiliser Hâte. Et bah, vu que je suis pas un Pokémon, il me faut de la coke. De quoi tu crois que je parle? Du Coca-Cola. Coke, en anglais. Coca-Cola. Oh, d'accord. C'est comme ça qu'ils appellent le Coca-Cola en anglais. Coke. Oui, d'un coq. Des coquilles Saint-Jacques. Exactement. Ou alors la coque qu'on met pour se protéger des... Thierry ! Voyons ! Je pense que tu prends de la drogue personnellement. Bah j'ai mes médicaments. Peut être considéré un peu comme de la drogue, mais pas non. Picasso. Je crois que je le prends, ce Pokémon. Je sais pas ce qu'il y a comme Pokémon exactement dans ce jeu. Je me rappelle plus trop. Mais avec Otaquin, du coup, ça me fait Pokémon eau et fée. Il me faudrait un Pokémon feu et un Pokémon plante. Ça, c'est sûr. Je pense qu'en plante, moi, il y en a une qui m'intéresse, et c'est Floramantis, qui est pas mal en plante. En feu... Ah, il y a le Pokémon poison et feu, là, mais il faudrait tomber sur une femelle. On va voir. Faudrait que je regarde, mais je vais choper un petit truc comme ça. Là, j'ai même plus de coca au frais en fait. Ce que j'ai bu, c'est de la grenadine. Avec de l'eau piquante Soda Stream. Oh, bah alors Thierry. Les mots... Chier, les mots tête de con ne passaient pas. Il a fallu que je les autorise. Voyez ce que vous me faites faire. Voyez ce que vous me faites faire. Non, on va pas donner un trait. Bon, avançons. On a un multi XP dès le début, je sais même plus.
Et déjà activé, d'accord. Alors je n'y pense, c'est sûr que je le prendrai pas. Je dis que des Pokémon de cette version. Oh, je viens d'en trouver un. Que je prendrai à coup sûr. Mais je vais pas les dire, sinon après ça va couper la... Ah, je suis en train de regarder le Pokédex, c'est pour ça. Pour ceux qui se demanderaient. Donc il y en a un à coup sûr. C'est pas dans le jeu où on peut trouver un Drattak niveau 15 dès le début là? Juste après la... Bah juste sur cette route là, là. En haut. Je sens que c'est un truc comme ça. Effectivement, il y a ce Pokémon là aussi. Ça m'en ferait 3. Je parle pas de Mangluton. Je parle de dans le Pokédex que je regarde. Pokémon à la que je rencontre, donc les 5 premiers. Bon, pff. Ils sont pas marrants à jouer. Faut des Pokémon drôles à jouer quand même. Par contre, quand je ferai un Nuzlocke random sur ce jeu, je pense que c'est faisable. Je prendrai, oui, les premiers Pokémon que je rencontre. C'est sûr. J'ai vu un Pokémon qui me faisait de l'œil, mais le problème c'est que en strat il est très fort. Pour ce qui est de l'aventure, pas très utile. Je suis à peine dans l'herbe. Il est un peu pressé de m'attaquer ce Coxy. Prends le moustique, il est trop cute. Le moustique Bombidou. Ouais, Bombidou. Ouais, bah pourquoi pas Bombidou en vrai. Je cherche les Pokémon que je pourrais prendre dans ma tête. Oula, faut que je fasse attention, je vais pas se couper de vie.
tout cas, il y a un Pokémon que je suis sûr de prendre. Et Kaiser. J'hésite. C'est vrai qu'il existe lui aussi. Lugarok, j'ai vu où est qu'il y était, je sais pas. Et ben voilà. Premier Pokémon de la team. Je savais pas qu'on le rencontrait ici. Lui en shiny, il est magnifique. Exactement. Le canon. Et en shiny, il est magnifique. Donc voilà, premier Pokémon de la team à côté. Je vais sur 3DS en Shiny. Moi je l'avais chassé en Shiny, je me rappelle. J'ai fait un petit Shiny Hunting sur lui. Ouais, ces petites évolutions, elles sont rouges, je crois. Ouais, Lucanon est gris. Et ces petites évolutions sont rouges. Et c'est leur rouge que j'adore. Pendant que ça fait ça, je vais chercher le... l'arvi truc mèche. Faut quand même rajouter les sprites, hein, je suis désolé. Comment il s'appelle en anglais? Il s'appelle Grubben. Hop. Le Pokémon numéro 2. Grubben. C'est parti. T'as Mimiki aussi, tu peux gagner pas mal. Effectivement, Mimiki, c'est un des meilleurs Pokémon, je trouve. Mais je sais pas. Je veux un Pokémon feu, ça c'est sûr. Peut-être un Pokémon plante, histoire de faire un bon petit coverage. Non, un Pokémon feu, par exemple, il y a Malamandre, il y a l'ossature d'Alola, mais bon, je vais pas prendre un truc d'Alola sous prétexte qu'il existe. Aussi d'une autre d'une autre région. Oh, je vois un Pokémon que j'ai jamais pris. Je vais peut-être le prendre. T'as Malamandre et t'as Ossature, ouais, voilà ce que je disais. Malamandre et Ossature, mais bon. S'il y a que ça, pas tip top. Je vais essayer de prendre des Pokémon que j'ai pas l'habitude de prendre aussi, tiens. Alors, est-ce qu'ils vont me soigner? Oui, ils vont me soigner. De toute façon, je regarderai après. Mais à Alola, en fait, il y a pas mal de nouveaux Pokémon, mais qui n'évoluent pas, en fait, aussi.
des Pokémon qui sont de base et qui n'évoluent pas du tout. Sucraine en plante. C'est Sucraine ou je crois Mimantis que je voulais, mais on va voir. Toute façon, on verra. Si je tombe dessus, je les prendrai. Plante combat, ouais, mais double faiblesse au vol, quoi. Évidemment. Je sens que je vais pas aimer ça. Non, Guriland, il est pas ouf. Sans, je regarderai après le live, je regarderai quel Pokémon je pourrais rajouter dans ma team plus tard. Comme j'avais fait pour Pokémon Ruby Omega, ça fait un. Et ça dit pas que les autres Pokémon gagnent de l'XP. Donc le multi-XP, on l'a pas dès le début. Après l'école, oui, voilà, c'est après l'école. Effectivement. C'est dans épée, ouais, c'est dans épée qu'on l'a dès le début. C'est dans épée où ça devient un truc extrêmement simple. C'était quoi ses mains? Les mains de Forbes, elle était bizarre. Oui, totalement, Thierry. Plus le temps pour l'épisode, t'inquiète, t'inquiète. Je l'ai sous les yeux. Exactement.
Ouais, je trouve un PC pour déposer le Pélican, là. Le Picasso. Ça va recommencer à parler de mariage de chien. Faites ça sur Discord, c'est puissant. Goélis. Pas besoin. Mais il a un bon niveau pour entraîner tout ça. Oh, ultrason. Un peu d'XP. Par plus vous lire. Là, franchement, c'est le jeu que je le redécouvre parce que au moment où Soleil et Lune est sorti, je l'ai fait. Puis ensuite, Ultra Soleil et Ultra Lune est arrivé. Bon. Il n'y a pas d'objet.
À cause de maths, c'est horrible. Bon, eh ben on a bien avancé. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Juste avant de lancer l'aventure. Sur ce, je vous dis à tous, ciao à plus. Je vais réfléchir à des Pokémon à mettre dans ma team. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous!